Il existe une différence fondamentale entre prendre des cours en ligne, suivre des cours en ligne, des cours de formation musicale par exemple, et intégrer une école de musique, une véritable école de musique. La différence, c'est la synergie du groupe, c'est-à-dire que les élèves puissent échanger entre eux. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça en ligne vu qu'on est tout seul devant son écran à suivre sa formation? C'est ce dont on va parler dans quelques secondes. Je me présente, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin. Je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique. Ce soir, nous parlons harmonica et ça commence dans quelques secondes. Attention, c'est parti. Ch'toum! Depuis quelques jours, je te parle de Club Armo. Club Armo, c'est la toute nouvelle formule que j'ai lancée pour que tu puisses apprendre à jouer du petit instrument pas à pas à ton rythme. On a déjà parlé des cours, on a déjà parlé du fait que dès que tu arrives, dès le premier jour de ton abonnement, tu accèdes à des dizaines de cours, presque à. Alors j'enregistre cette vidéo, on est presque à 80 cours maintenant. Ce qui fait que bah, toi, même si tu fais beaucoup de cours parce que tu as beaucoup de disponibilité, bah, tu en auras toujours. Du fait qu'il y en a déjà pas mal et qu'en plus je rajoute un par jour. Okay, donc il y a toujours des sujets, même si tu joues déjà la musique depuis un moment, il y aura forcément des choses que tu vas découvrir qui vont te servir. Enfin, tu peux piocher en fait comme tu veux, quoi. Les grands débutants peuvent se dire, bah tiens, bon, ces cours-là, bon, bah là j'en suis pas là, mais ça m'intéresse vraiment. Et puis ceux qui jouent déjà la musique depuis un moment peuvent se dire, bah le cours de débutant, je vais pas passer du temps dessus. Par contre, je vais aller directement sur les cours plus avancés. Bon. On a parlé également des morceaux que tu peux jouer, on a parlé aussi des formations complètes qu'il y a en vidéo tous les mois dans Club Armo. Et ce soir, je voulais te parler de la synergie du groupe, ça c'est très important, c'est-à-dire que si tu es tout seul, je parlais de motivation hier, si tu es tout seul devant ton écran, c'est pas la même chose que si tu es dans un groupe et que tout le monde avance plus ou moins à la même vitesse, tu vois. Bon. Et surtout de pouvoir échanger. Moi, je me rappelle quand j'étais dans les élèves dans les écoles de musique, j'en ai fait quelques-unes, bah, ce qui était sympa, c'était. Après la classe d'orchestre ou après le cours de formation musicale, pardon, après le cours de formation musicale ou d'autres cours, c'est se retrouver ensemble, d'échanger, de parler des cours, de parler des profs, de parler de nos exercices, tout ça, de nos jeux, enfin, etc. quoi. Bon, toi, c'est de parler ensemble. Et puis aussi de travailler ensemble parce que bah, quand on est par exemple dans un exercice de formation musicale, on se dit, bah tiens, ah, t'as vu, le prof il nous a donné tel travail à faire, t'as réussi à faire comment, comment t'as compris les choses, et on peut échanger entre nous. Et puis aussi, ce qu'on faisait, par exemple, je pense à la Villeban Spin Academy où j'ai appris le piano jazz, bah, tous les samedis, il y avait une jam session. C'est-à-dire qu'en fait, on jouait des morceaux, et puis les autres, les copains, les copines nous écoutaient, quoi. Tu vois? Donc tout ça, ce serait bien que ce soit toi qui aies la possibilité. Alors grâce à Internet, maintenant, depuis quelques années, c'est tout à fait possible. Et pour ça, il y a une communauté, ce qu'on appelle la communauté de Club Armo, la communauté du Club Armo plutôt, sur Telegram. Donc Telegram, en fait, c'est une application entièrement gratuite qui te permet de communiquer. Et c'est mieux que Facebook, parce que Facebook, quand tu arrives sur Facebook, tu as des notifications de partout, du genre, tu t'es inscrit à 25 groupes, tu as 75 notifications, puis tu as les gens qui te parlent, et les copains, la famille, tout ça, et tu es tout le temps, enfin, tu passes un temps fou sur Facebook, c'est fait pour, hein, c'est pour que tu restes le plus longtemps. Après Facebook, tu as aussi des publicités qui passent tout le temps. Maintenant, une publication sur trois, c'est une pub. Donc, le but, c'est que tu restes le plus longtemps possible là-dessus, que tu scrolles, voilà, hop, tu défiles ton écran, tu défiles sur ton téléphone, tu défiles, et tu restes pendant des heures là-dessus. Comme ça, tu captes des pubs, puis de temps en temps, tu cliques sur une pub et tu achètes. Bon, c'est un modèle assez particulier, voilà, c'est Facebook. Bon, c'est pas mal, je m'en sers aussi de Facebook, mais bon, Telegram, c'est pas ça du tout, tu n'as pas de pub. Quand tu arrives sur Telegram, tu sais que tu vas là parce que voilà, c'est la communauté du Club Armo, bah, tu y vas que pour ça, quoi. Éventuellement, si tu es abonné à 2-3 groupes ou si tu discutes avec les autres. Mais tu vois, c'est beaucoup mieux, t'es pas submergé de notifications dans tous les sens, quoi. D'accord? Et puis en plus, ça protège complètement ta vie privée puisque bah, tu mets simplement ton prénom, tu peux partager ton numéro de téléphone avec les autres, mais ce n'est même pas une obligation. Donc tu partages que ton prénom, non. Tu n'es pas obligé de sécuriser ton compte. Comme sur Facebook, attention, qu'est-ce que je publie, qu'est-ce que je diffuse pas, ça je diffuse à mes amis, mais pas à mes attention, pas à un tel, non, voilà, bon. Donc c'est beaucoup plus simple et on est entre nous. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que les membres de Club Armo qui sont dans le groupe communauté de Club Armo, ok? Voilà. Et ce qui est bien, c'est que tu peux poster tout ce que tu veux, donc aussi bien des audios, tu peux parler, tu vois, tu peux enregistrer ta voix ou ton harmonica. Tu peux poster des vidéos si tu veux, tu peux mettre du texte, des images, des émoticônes, tout ce que tu veux.
L'idée, c'est de favoriser l'échange. Voilà. Et donc, les élèves échangent entre eux, et puis tu peux tout à fait jouer un morceau et demander ce que les autres en pensent. Voilà. Donc, désolé si la caméra fait le point de temps en temps. Donc, voilà, tu peux échanger avec les autres élèves, et ça, c'est vraiment important. Ok ? Donc, tu vois, c'est ce qui fait que l'école internationale d'harmonica, c'est vraiment une école de musique. C'est pas simplement des cours en ligne, il y a aussi l'interaction entre les élèves. Et puis avec moi, évidemment, puisque si tu poses des questions dans le Telegram, eh bien, je peux aussi voir, toi, voir tes questions. On peut vraiment échanger ensemble. Okay ? Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé toutes les notifications parce que bon, je ne vais pas avoir des notifications de tous les sites, mais j'ai conservé uniquement celle de Telegram. Parce que comme Telegram, c'est réservé à mes élèves, si de temps en temps, il y a une question, alors, quand tu es dans le groupe de la communauté du Club Armo, tu peux aussi cliquer sur les noms des gens et les contacter en direct par message privé. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus pratique que d'envoyer des emails, c'est beaucoup plus souple. Si tu m'envoies un message, je suis sûr de le recevoir. Les emails, c'est pas sûr. Et comme ça, c'est facile de communiquer. Donc, si je vois qu'il y a 2-3 questions dans la journée, je peux y répondre, même en marchant, même en baladant, je peux répondre à tout le monde. Donc, c'est vraiment très pratique. Et Telegram, c'est entièrement gratuit. Donc, c'est vraiment génial. Voilà. Donc, écoute, si tu veux profiter de Club Armo pour accéder aux cours, pour apprendre à jouer l'harmonica, pour accéder aux morceaux que tu vas apprendre à jouer, aux formations et au groupe Telegram de la communauté d'élèves de Club Armo, clique sur le lien en description de cette vidéo. Tu vas voir, je fais un tarif de lancement toute la semaine jusqu'à dimanche soir 23h59 heure de Paris. Et donc, tu cliques là-dessus et tu bénéficies d'un tarif exceptionnel. Quand tu vas voir le peu que tu vas payer pour tout ce à quoi tu vas accéder, tu ne peux même pas revenir toi-même. Si je fais ça, c'est pour te motiver à te lancer pendant l'été. Il y a déjà une bonne dizaine d'élèves qui se sont inscrits. Ce serait génial que tu nous rejoignes. Voilà, écoute, je te dis à demain soir parce que j'ai encore des choses à dire sur Club Armo. Et d'ici là, bien évidemment, bonne musique !